bien, Charline. Je vais vous lancer à sec, c'est ça qu'on a prévu. Hein. Très agressif. Attention, allez-y maintenant. Très bien. C'est l'heure de votre petit billet, vous dédiez. Ah, je ne l'ai pas dit avant ? Non. Oh, c'est vendredi, je m'en dis. Allez, on y va. Charline, c'est l'heure de votre petit billet. Ah, voilà. Je vais vous lancer à sec. Oui, parce que Roselyne Bachelot publie un livre sur son passage au ministère de la Culture. Et c'est très intriguant parce qu'il fait plus de 2 pages. Donc, je me suis intéressée. Il s'intitule 682 jours. On dirait le titre de quelqu'un qui aurait été pris en otage et qui raconte sa captivité. Oui. Après, quand tu es ministre de la Culture, tu dois parfois assister à des pièces de théâtre qui durent 7 heures à Avignon. Donc, ça fait à peu près 2 mois de captivité. Mais on s'est tellement pas rendu compte de son passage rue de Valois qu'elle s'est sentie obligée de mettre le nombre de jours qu'elle a passé dans le titre du livre, 682. D'ailleurs, c'est le plus gros scoop du livre. Hein. Le lecteur, il se dit « Quoi ? Roselyne Bachelot était ministre de la Culture pendant 682 jours ? Mais j'étais où pendant tout ce temps ? Enfin, je veux dire, elle était où ? Enfin, je... En plus, si, bon, 682, c'est le nombre de jours où en Belgique on est resté sans gouvernement, alors autant vous dire, ça ne nous impressionne pas. Alors, j'ai lu ce qu'en dit la presse et apparemment, dans ce livre, elle égratigne toutes les vedettes les plus en vue de la variété française. Clara Luciani, Benjamin Biolay, François Hollande, tout le monde y passe. C'est la première fois qu'une ministre sort un livre pour parler de son expérience et que le résultat, bah, ça ressemble plus à un article de gala. Alors elle dénonce l'attitude des artistes qui ont critiqué sa politique quand ils étaient sur scène et qui en coulisses lui disaient merci. Après, s'il disait des trucs du genre « Merci de bien vouloir sortir de ma loge », pas des remerciements stricto sensu, ça, Roselyne. Hein. Ouais, stricto sensu. C'est des chroniques en latin, moi-même. Alors, en gros, elle dénonce le double discours des artistes, alors qu'en politique, ça n'arrive jamais. Quand tu dénonces le bal des hypocrites et que t'as longtemps traîné avec Ciotti, Copé, Pécresse, Vauquier, Muselier, Xavier Bertrand, tu dois avoir une certaine expertise. Mais alors, elle critique Clara Luciani et Benjamin Biolay. Et là, je dis non ! Non, attaquer Luciani Biolay, c'est attaquer France Inter. Alors ça, je devais les défendre parce que c'est contractuel. Alors on sent que l'ambiance s'est dégradée dans ce pays quand même. Avant, les clashs, c'était Boubacaris. Maintenant, c'est Bachelot-Biolay. A priori, le duty-free de l'aéroport peut rester ouvert. Mais donc, en un livre, Roselyne Bachelot a plus dénoncé qu'en 10 livres de Marlène Schiappa. Hein. Ah, attendez. On me dit en régie que Marlène Schiappa vient de sortir le 11e livre. Ah, mais non. Bon. Donc je poursuis. Donc, et ah, on me dit le 12e livre vient de sortir déjà. Et on peut lancer toute une collection, la Pléiade ministérielle aux éditions du 49.3. Alors Roselyne Bachelot pense que le président n'a pas assez fait état de son bilan culturel, alors qu'il est excellent. Et elle se l'explique en disant « Il a peut-être eu peur de paraître élitiste ». Roselyne Bachelot ne fait pas que dénoncer, elle fait aussi des blagues. Et à propos de celle qui lui a succédé, Roselyne Bachelot regrette le sentiment d'un entre-soi des élites technocratiques parisiennes. Se refiler les postes entre soi, c'est mignon, Roselyne. Elle est à deux doigts de découvrir le fonctionnement de nos institutions. Merci, Charline.